désolé. Ça remonte à beaucoup d'impunité dans notre pays. Remontons un peu dans l'histoire, même l'assassin de David Amorin, il est encore libre, sans impunité. Mais lorsque nous remontons un peu dans l'histoire, ce qui nous motive à travers notre idée aujourd'hui, il y a les réformes qui doivent être faites. Il y a plein de choses, Regardez la mort de pauvre à la vie, hein, qui aide même, qui ne manifeste même pas, qui ne manifeste même pas, qui a perdu sa vie. C'est-à-dire, vous savez, délibérément, il y a un ouf du peuple congolais. Notamment beaucoup de choses. Etienne Yakanou, il y a plein de gens qui ont perdu leur vie dans cette histoire de loi. Un président chef d'État qui a fait la réforme il y a 7 ans maintenant. Que la réforme doit être faite. Vous voyez, il y a plein de désolations. Voilà, vous, vous avez connu les difficultés, on vous a arrêté, vous avez vos amis, vous ont tué, aujourd'hui vous êtes encore là. Quel est la détermination? Ce qui est le motif, nous savons qu'après tout, il va y avoir une justice. Nous avons une justice, on doit marcher très court. C'est-à-dire, de vivre de ce qu'il y a fait. Donc, c'est ça qui nous motive quand même à marcher aujourd'hui et à réclamer nos droits. La moins des choses que nous puissions demander à notre chef d'État aujourd'hui. Donc, vous continuez la manifestation aujourd'hui. Vous êtes toujours là pour la manifestation. Bien sûr, bien sûr. Autant de fois que l'idée appelle à manifester. Autant de fois que l'idée appelle à manifester. Les appels. Autant de fois que l'idée appelle à manifester, vous êtes là. Bien sûr, bien sûr. C'est quoi ça? D'abord parce que c'est indéfiniment, tant que nous vivons, nous allons toujours réclamer nos droits. Parce que après, c'est une république, quand on est une république, et la république selon l'article, le premier de notre pays, vous savez ce que c'est.